Les rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine vont bon train. Selon les affirmations du Mirror, le chef d'État russe n'assisterait plus aux réunions en raison de la détérioration de sa santé, ont affirmé des sources proches du clan Poutine. Selon leur dire, l'état de santé du président ne pourrait plus lui permettre d'être présent lors de ses nombreuses réunions et événements publics. Selon la chaîne Général SVR sur Telegram, il y aurait un découragement visible dans l'entourage proche de Vladimir Poutine quant au conflit qui oppose son pays à l'Ukraine. La chaîne a déjà affirmé à plusieurs reprises que Vladimir Poutine aurait reçu un diagnostic inquiétant quant à un probable cancer, avec un degré de probabilité élevé. Nous pouvons dire que bientôt le président ne pourra plus tenir personnellement des réunions et participer à de grands événements. Selon certaines sources, le président russe expliquerait son absence en justifiant un retour de la pandémie de Covid-19. Vladimir Poutine, le début de la fin? Le général SVR a également expliqué que diverses options ont été discutées, de la possibilité de mobiliser et d'utiliser des armes nucléaires tactiques, à l'ouverture d'un deuxième front dans un pays tiers, et, enfin, au geste de bonne volonté avec le retour de les territoires occupés des régions de Kherson, Zaporizhia et Kharkiv vers l'Ukraine. La chaîne a affirmé qu'une telle décision marquerait le début de la fin du règne du président russe. Mais Vladimir Poutine paraît déterminé à obtenir ce qu'il veut de l'Ukraine. En effet, les frappes ne cessent de déchirer un peu plus le pays de Volodymyr Zelensky. À savoir si l'état de santé du président russe lui permettra d'aller jusqu'au bout de sa volonté.